Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Mon invité cette semaine est Rodrigo Ramirez. C'est toujours un plaisir de vous revenir chaque semaine avec une nouvelle entrevue, un nouvel invité et mon invité d'aujourd'hui. On parle déjà depuis un certain temps, mais on se connaît pas tant que ça. Et je dirais même qu'on se connaît, c'est la deuxième fois qu'on se voit. Je sais pas s'il se souvient la première fois où on s'est rencontrés. Moi, je sais que je m'en souviens pour différentes raisons. Ouf! Oh, j'ai peur! Il a peur! Oh là 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 là! Et il parle avant même que je le nomme. On accueille Rodrigo Ramirez. Tout d'abord, bonjour Rodrigo. Bonjour Martin. De quoi as-tu peur exactement? Tiens, je pensais pas commencer par cette question. Pourquoi pas? Est-ce que tu te souviens premièrement, c'était où? Honnêtement, je suis pas certain. J'ai des doutes, j'ai des idées, mais non, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit. Du coup, pour éviter de me tromper. Mais j'ai peur parce que il y avait quelque chose de mémorable dans tout ça et ça semblait pas être nécessairement pour le meilleur. Ça semblait potentiellement être pour le pire, que tu te rappelles de moi. Et du coup, j'ai peur. Ben, je pense pas que c'était pour le pire. C'était un party chez Mathieu Rochette. Ah, c'est bien ce que je pense. Oui. Et j'étais entouré de Maxime Vallée, de Salma Mudrika, et puis... et tu étais venu faire ton tour et nous saluer et tout et tout. Et là, quand j'ai commencé à faire Connaissez-vous, j'ai demandé à des gens, j'ai dit, est-ce que vous vous souvenez du jeune homme là qui était venu nous saluer? Puis là, tout le monde disait, ah non, 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 on s'en souvient pas. Et puis... Quoi? Ouais. J'ai fait mon détective et je t'ai retrouvé. Écoute, commençons par le début, puis j'aime ça quand... Ben, j'aimerais ça que tu nous dises, dans le fond, l'origine de ton nom. C'est quoi exactement ta... Ben, je sais que t'es né ici, à Montréal. Oui, ici, à Montréal, à l'hôpital Saint-Justine. Hein. OK. Mais tes parents, ils sont de où? Eh bien, ma mère est chilienne. OK. De Santiago de Chile. Là. Et mon père de Medellín, Envigado pour être plus précis. OK. Colombie, le pays de Colombie, ville d'Envigado. Mais les deux sont entrés ici, ils se connaissaient pas auparavant. Et voilà. Ils se sont connus ici? Oui. Ils sont tous les deux partis de... De Colombie, de Chili, vers l'âge de 18 ans. OK. Et, ils se sont rencontrés par la suite ici, même, à Montréal. Ouais, mais c'est comme... Ils ont passé quelques temps avant, par contre, sans se rencontrer. Ça a pris un certain temps. Ma mère avait passé du temps avec un autre conjoint. Et... Après, elle a justement rencontré mon père, quelques années plus tard. Et tu es arrivé. Voilà. Et est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, justement, de la première union de ma mère. Ah, OK. Il y a ma sœur, qui est... Ben, en fait, c'est ma demi-sœur, mais... Oui, oui, on... Autre le fait biologique, c'est ma sœur. C'est juste, point final, ma sœur. OK. On se ressemble comme deux gouttes d'eau, apparemment, les gens disent, mais... 11 ans de différence et tout, et... Combien vous avez de différence? 11 ans. 11 ans? Oui. OK, quand même. Donc, on s'entend que c'est 11 ans de plus. Mm-hmm. Mm-hmm. Et là, toi, sans indiscrétion, parce que moi, des fois, je suis indiscret. C'est puis je te l'ai demandé avant, là, mais de toute façon. Toi, t'as quel âge en ce moment? En ce moment, j'ai 27 ans. 27 ans. Ouais. Donc, encore relativement jeune. J'ose dire que oui. Mais bon, 27 ans, déjà aveugle, un petit peu malentendant, des problèmes... T'as des problèmes auditifs? Ouais, quelque peu. OK. Rien de trop sévère et c'est plus amusant qu'autre chose pour moi.
Les autres gens me trouvent quelque peu énervant après 5 fois de dire quoi? Quoi? Et toi, toi, en quoi tu trouves ça amusant? Et parce que généralement, justement, je dis quoi? Parce que je sais que ce que moi je viens d'entendre n'est pas la bonne chose. Okay. J'entends des choses très erronées qui ont sans queue ni tête. Et forcément, c'est pas ça que les gens disent. Ok, c'est que ça t'amuse. Oui, absolument. Ben, c'est bien. Mais est-ce que tu sais... Bon, parce que là, bon, j'ai... C'est bien. Un peu moins, disons, que si c'est dans le contexte académique. Ça, c'est une autre histoire. Quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Quoi, je sais qu'il a pas dit ce gros mot-là. Il doit avoir dit quelque chose de très intelligent, le prof. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? C'est quoi qu'il vient de dire? Oh, mon Dieu! Ah! Ouais, c'est ça. Puis tu peux pas toujours faire répéter le professeur. Dans un cours magistral, en tout cas, certainement pas. Mais là, c'est parce que là, tu m'as quand même intrigué un peu, parce que moi, j'allais te demander ton problème de vision, il venait de où? Mais ton problème auditif, est-ce que... Oh, c'est pas nécessairement relié avec le problème visuel. Pas nécessairement. Non, mais est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que c'est... est-ce que t'es amené à perdre les l'ouïe? Non, j'ose espérer que non, mais... Avec l'usure, avec l'âge, tu sais. Mais ça t'inquiète pas trop? Ah, pas plus qu'il faut. Non, pas plus qu'il faut, mais bon. L'accumulation de toutes choses, tous les problèmes ensemble, visuel, auditif et quelques autres petits problèmes, étant plus précisément de l'épilepsie, qui a été causée justement par le même problème, la même cause que ce qui a causé ma perte de vision. Ok, ben parlons-en de ton problème de vision. Mm-hmm. Alors, ça découle de quand et de quoi exactement? Ça découle... Ouais, ça s'est su en 2010. Oh, quand même! Hein? Oui, mais ça faisait environ 1 an que c'est en train de se produire, d'après les estimations des docteurs, que j'avais une tumeur au cerveau, en fait. D'environ 30 cm. 30 cm? Oui. Quoi? De diamètre, j'ose croire. Mais ça fait pas de sens, 30 ben cm. Non, mais c'est quand même gros. Oui, c'était gros, mais je m'en rappelle plus. Je dis diamètre, mais je pense pas que c'est ça. Ça serait ridicule de... En tout cas, oui, 30 cm, elle avait la tumeur, d'où l'estimé de 1 an. Aussi avec mes visites... relativement fréquente chez les docteurs pour me plaindre d'un mot de tête. Ma tumeur, en soi, j'étais chanceux parce qu'elle était pas... Ben, chanceux dans ma malchance, parce qu'en soi, elle était pas dans la chair du cerveau, au-dessus de la colonne vertébrale, dans au cou. On a un vide qui mène au cerveau. Mm-hmm. Et ce vide permet, en fait, que le liquide... j'ai envie de dire, en céphalo-rachidien, c'est celui qui commence au cerveau, qui va dans la colonne vertébrale, permet au nerf de communiquer avec le cerveau, eh bien, ce liquide se retrouvait accumulé par la tumeur qui était dans ce trou, en fait, et il empêchait le liquide de passer. De passer. Ouais. Et c'est donc l'accumulation à cause du glaucome et du papillonome. Donc, une pression au niveau de nerf optique à la base du cerveau et... Quand il m'a opéré, puisque comme je dis, ça faisait presque 1 an que je l'avais, cette tumeur, après les estimations. Eh bien, ils m'ont comme fait une petite coupure au niveau... Je veux dire le bulbe rachidien, mais il me semble que c'est une autre partie. Mais du coup, ça, oui, ça a causé des épilepsies mineures, merci mon Dieu, je pars pas toujours conscience ou... Ok, mais c'est ça arrive. Oh oui, je passe forcément à contrôle de mon corps et j'ai des hallucinations, mais j'ai pas d'autres symptômes plus intenses que d'autres personnes vont avoir des durées de assez courtes. Contrairement à d'autres personnes, ça peut être 1 heure de temps et ça peut vraiment être beaucoup plus dangereux pour eux. Moi, c'est relativement bien contrôlé, merci mon Dieu. Mais donc, oui, ça faisait presque 1 an, j'allais depuis 6-7 mois chez le médecin, après quelques mois justement de douleur initiale, mais j'allais pas initialement, mais après quelques temps je me suis tanné. De toujours, c'était les maux de tête. Ouais, c'était des maux de tête, quoique c'était des migraines pour être plus précis, mais mm-hmm. Dans mon ignorance, je disais chez le médecin maux de tête, et sur une échelle de 1 à 10 la douleur, mais moi je mettais toujours ça environ 4.
5. Ah, ok. Ouais, parce que... Moi, un 10, pour moi, c'est... Oh mon Dieu, mon bras vient de se faire couper. Oh, oh. Et ça, c'est justement quelque chose qu'ils disent est un problème, c'est... chez les patients, qu'on sait pas bien... analyser le... Ouais, ben analyser, décrire nos symptômes. Et dans ce cas-là, justement, les médecins disent « Ah, oh, 4, 5, de douleur, oh, des maux de tête, pas des migraines, oh, ça part après quelques jours ou quelques heures même des fois. » Parce que c'est ça, la tumeur, elle bougeait de temps à autre et se permettait au liquide de passer dans la cuve. Ah, ça que là, ça libérait le... Ouais. Ça, c'est... que justement, le maux de tête partait et les migraines, en fait, partaient. Et... Ça faisait que les symptômes, la description n'était jamais très consistante. Mm-hmm. Les médecins, en conséquence, me suggèrent de prendre des Tylenol. Et, ouais. Ouais. Et là, ça a duré un an. Ça fait qu'après... Mais c'était après le secondaire. Quelques temps après le secondaire, oui, j'ai eu les symptômes qui ont commencé. J'ai continué des études pendant cette période de temps, malgré cela. Et c'était quelque peu compliqué, mais ça s'est fait. Et j'avais encore de la vision... jusqu'au jour de mon opération, une vision fonctionnelle, j'étais encore voyant, même si dans l'œil gauche j'avais beaucoup perdu de vision, mais j'étais encore voyant, je me prenais dans la rue en patin aligné, j'ai vraiment vite. Donc, ok, c'est ouais. Ça. Ça que là, ta jeunesse, c'était sans problème de vision. Mm-hmm. Jusqu'à vers la fin du secondaire, début du cégep. C'est là que les problèmes ont commencé. Puis là, quand ils t'ont opéré pour enlever cette tumeur-là... Ça a complètement chuté. C'est comme ils disent chez les personnes sur qui il y a des effondrements, il faut pas enlever les choses parce que la pression est la seule chose qui retient les organes en place. La même chose était, on pourrait dire, ça pique à mes nerfs optiques. Mais est-ce qu'on t'a... Là, je sais qu'on tombe dans les questions plates. Mm. Mais est-ce qu'on t'avait prévenu? Absolument, oui. Les médecins étaient au courant de ce qui risquait de se produire. Ils m'ont averti et... Sans aucune hésitation, j'ai dit c'est correct, tu fais de l'opération, pas de problème, tu vas bien, l'option est de mourir, alors c'est pas très compliqué de décider. Ah, oui, ok, mais là tu viens quand même de dire un mot-clé, là. L'option de mourir, on veut pas mourir quand même quand forcément on a pas. 17, 18, 19 ans, là, je sais plus, ouais. Et... Là, il y a une possibilité de perdre de la vision ou beaucoup de vision. Oh, j'allais devenir aveugle. Il savait pas à quel point aveugle, mais il savait que c'était les dégâts étaient là. L'ophtalmo aussi, il pouvait. Ils avaient une bonne idée. Là. Et là, bon, autre question plate. Mm-hmm. Comment on se prépare mentalement à ça? Est-ce qu'il y a façon de... J'ai eu 3 jours. J'ai eu 3 jours de préavis. Ok. Alors, j'ai pas vraiment eu le temps de me préparer en soi. C'est quoi, en fait, j'étais, comme je disais, pendant plusieurs mois, j'allais chez les docteurs, je leur disais, mon tête, ok, Tylenol, ok, on se revoit dans quelques mois. Ça continuait comme ça jusqu'à ce que ma mère se tanne un jour, et elle me dise, Rodrigo, ça suffit, j'en peux plus, ça revient toujours, constamment, quand on va pas chez le médecin, tu passes ta semaine entière couché au lit avec des maux de tête, des compresses froides sur la tête pour réduire ta douleur, ça suffit, on va à l'hôpital, à l'urgence. Fait que j'ai passé 13 heures à l'urgence à attendre. Ils m'ont renvoyé le lendemain. Ils m'ont dit, reviens le lendemain. Après 13 heures, on va te faire des scans le lendemain parce que là, ils sont fermés. Mais d'après ce qu'on entend, juste au cas où, on va te faire un scan, même si on n'est pas certain que ça soit nécessaire. Mais pour éviter, parce que là, ça fait vraiment longtemps que vous venez nous voir, les scans. Et après ça, ils ont dit... Ok, monsieur, il faut que vous ayez à l'hôpital Notre-Dame, voir tel docteur maintenant. Voici un billet pour aller prendre un taxi gratuit, allez-y maintenant. Ok, c'est qu'aussitôt que t'as passé le scan, ils ont tout de suite vu, puis ils ont tout de suite agi. C'était comme devenu une urgence, là. Ouais. Quoi que j'inverse un peu, peut-être qu'après 13 heures d'attente, ils m'avaient fait le scan tout de suite et ils m'ont dit de revenir le lendemain pour avoir les résultats, ce qui me ferait plus de sens. Mais dans tous les cas, la suite est la même, qu'ils m'ont envoyé à l'hôpital voir le neurochirurgien. Docteur Alain Boutier, merci Docteur Alain Boutier. Sans vous, je serais pas aujourd'hui, j'ose croire. Quoi, je dois aussi remercier un autre docteur à une clinique à Papineau qui était sur le bon chemin. Il m'avait envoyé faire des scans, mais j'ai pas suivi les suggestions et
Peut-être qu'aujourd'hui j'ai encore la vision, mais bon. Merci à ce docteur-là aussi d'avoir bien fait son travail. Mais dommage que moi j'étais pas un bon patient. Dans tous les cas, par contre, oui, ils m'ont envoyé à Ouais, l'hôpital. mais bon, Ouais. on a peur, hein, j'imagine, c'est pas... Ben, je savais pas, ils m'ont peur, pas peur. C'est pas suffisant de dire qu'on a peur pour pas agir. Même si on a peur, il faut agir Il dans la vie, faut, là. ben oui, c'est sûr. Puis là, d'avoir de la difficulté à évaluer notre, puis à expliquer la douleur, puis Ouais, bon, non, ça aidait pas, c'est non. à un moment donné, c'est ta mère vraiment qui a dit, OK, là, ça peut Ouais. plus continuer, ça peut plus durer. Moi, j'étais comme d'accord, oui. À cette époque-là, en fait, à ce moment-là, j'étais rendu à croire que j'étais simplement de ces personnes qui a des maux de tête, migraines chroniques. C'était tout ce que je pensais que c'était. Puis qu'il n'y avait rien vraiment à faire pour ça. Oui, apparemment, y a rien à faire à part peut-être prendre de la médication hein, pour réduire L'intensité, puis Ouais. la fréquence, puis tout ça. Mais là, bon, tu me disais, ils t'ont dit, bon, que tu avais des chances de perdre la vision, tu avais des Oh, j'allais chances, perdre la vision. tu allais C'était perdre. garanti à quel point j'allais la perdre, si j'allais la perdre entièrement ou pas. OK, ça, ils pouvaient pas l'évaluer. Pas exactement. En même temps, ça fait quand même très longtemps maintenant. Puis là, les chances de vivre, il était de combien, ça, est-ce qu'il... Les docteurs apprécient pas nécessairement ce type de questions, mais je l'ai posé. Ils m'ont dit, oh, t'inquiète, c'est quand même pas 10% de risque qu'il t'arrive de quoi OK. sur la table d'opération. OK. Alors, oui, non, j'étais très confiant en rentrant dans la salle d'opération. Par contre, mes OK. parents Ouais. étaient en larmes. Ah, oh, ça me faisait rire. Mais t'étais quand même très fort, là. T'étais Ben, confiant, les t'étais... docteurs me disaient rien de négatif quant à tout ça. Ils étaient très optimistes. La seule chose négative qu'ils avaient à dire, c'était quand même, il va y avoir des dégâts, par contre. OK. Et c'était plate. C'était dommage, triste, et tout ce que tu veux, mais. C'était un mal nécessaire et c'était un mal qui était déjà fait plus tôt alors. Mais là, malgré le fait que tu avais des migraines fréquentes, des maux de tête et tout ça, est-ce que tu réussissais quand même? Tu disais tantôt tu faisais du rollerblade puis tout ça. Est-ce que tu étais très sportif, très actif, très... Oui. J'avais des cuisses grosses comme mon torse. J'exagère un peu, mais c'était énorme. Ils sont pas si mal de nos jours non plus, mais certainement pas comme auparavant. OK, toi, tu es encore quand même assez en shape. J'ose dire que oui, ouais. OK. Je vais nager une ou deux fois par semaine. Préférablement, ça serait trois, mais bon. Des fois, il y a la paresse. Hein. Et les horaires aussi. C'est gratuit comme piscine, parce que je vais avec le travail. Des fois, c'est pas conciliable. Et là, bon, on va revenir à ça plus tard. Ouais, non. Parce que là, tu me disais, bon, il savait qu'il allait avoir des dommages une fois l'opération faite. Qu'est-ce que tu as à dire? Comment ça s'est passé pour toi? Je me sens mal de poser une question. Il n'y a pas de mal à Non, avoir. mais j'aimerais mieux que tu me dises comment ça s'est passé pour toi, À quel égard? le réveil, quand Ouf. tu t'es aperçu des dommages comme tels. Ouf, le réveil. Ouh, ça c'est... Je sais y penser. Ouf. C'était psychédélique et violent. Ah oui, à ce Oui, point-là. c'était particulier. Oui, j'avais passé l'estimation qu'ils avaient, les projections initiales quant à l'opération, la durée c'était d'environ 8 heures, 8 à 10 heures si je me rappelle bien. OK. J'ai passé 12 heures sur la table d'opération par Donc contre. déjà plus longtemps que ce qu'il avait prévu. Oui. OK. Peut-être que justement il y a eu complications quand ils ont fait la coupure qui m'a donné mon épilepsie et que ça a fait que justement l'opération dure plus longtemps. Forcément, en fait, ça a dû causer hémorragie au niveau du cerveau. Ils ont dû arrêter ça, j'imagine. Mais bon, là c'est juste des hypothèses en soi. Parce Mais que ça, oui, ils te l'ont pas dit. j'ai pas nécessairement posé la question, je OK. pense. Mais dans tous les cas, par contre, oui, j'ai passé 12 heures couché sur un côté de mon corps étant le côté gauche, avec le cou tourné pour donner accès facile à mon côté droit de la tête, parce qu'ils ont passé par le côté droit de ma tête. Au niveau du frontal, ou là, pariétal environ du crâne, OK. et côté droit, et donc ils ont enlevé une partie du crâne. Mais dans tous les cas, par contre, oui, j'ai passé 12 heures comme dans cette position très inconfortable, avec la circulation de mon sang pratiquement au point tel si bas d'en mourir, mais c'est normal, je veux dire, quand t'es en train de te faire opérer. Oui.
Mais ça faisait justement que donc après 12 heures, il y en avait une grande accumulation de sang dans tout mon côté gauche. En sortant de la salle d'opération, je ressemblais au bossu de Quasimodo, mais version côté gauche de mon corps. Très endolori du coup. Je vais même pas parler de la tête, qui était avec 33 sous, agrafes, je pense, pour maintenir... Et moi, comme l'abruti, à cette époque-là, j'avais les cheveux longs, et je... parce que ça faisait longtemps que j'avais décidé de garder mes cheveux longs. Quand ils m'ont dit, est-ce que vous préférez qu'on vous rase la tête ou qu'on fasse juste vous couper les cheveux au niveau de l'opération? Et moi, je dis, oh, ça fait longtemps, je les ai de même, je voudrais les garder. Alors oui, juste les couper là où il faut passer pour l'incision. Quel regret! Quel regret! Je veux dire, une touffe ridicule qui était sur le chemin des médecins. Et genre, je serais pas surpris d'apprendre aujourd'hui que genre, j'ai des morceaux de cheveux dans mon crâne. Je veux dire, ouf, j'en avais partout. Et en sortant de la salle, donc, elle disait, je ressemblais au bossu de Quasimodo et j'avais la tête, les cheveux remplis de gras, de sang et de colpe pour maintenir tout ça hors du chemin. Fait que c'était jaune, c'était rouge, c'était grasseux, c'était quelque chose. Et donc, en plus, parce que j'étais très sensible de la tête à cause de l'opération, forcément, je touchais pas mes cheveux. Et je voulais pas non plus tirer sur quoi que ce soit. Risquer de déplacer quelque chose. Ouais, il me disait, un petit peu de laver les cheveux, c'est correct. Après une certaine période de temps, du moins, pas initialement, mais après une semaine ou deux, il disait, vas-y, c'est pas grave. Moi, je refusais, j'avais trop peur. Ça t'a pris plus de temps avant de... Ouais. Et tu as gardé tes cheveux, est-ce que t'as fini par les raser? Qu'est-ce que c'est? Raser, non, je les ai coupés après une période de temps, mais non, je les ai gardés très longtemps, genre quand ils étaient. Mais là, ce que j'en comprends, à moins que j'aie mal compris, c'est que c'est plus tes cheveux que t'as remarqué. Non, donc c'est ça, bossu. Oui. Même le visage était, la moitié de mon visage était gonflé, environ de la tête de ma main de plus. C'était rendu très énorme, très sensible en conséquence. N'importe quel rictus facial me faisait mal. N'importe quel rire aussi, parce que le torse aussi était endolori. Les respirations étaient très douloureuses et pénibles. C'était un travail laborieux de rester en vie. C'était quelque chose quand... Mais est-ce que tu as toujours gardé le moral? Parce que là, je t'entends rire aujourd'hui. rire, honnêtement, je trouve qu'il fait du bien, mais il me rend un peu mal à l'aise, je me dis. Je te disais que ces deux choses-là me plaisent. C'est probablement l'une des choses qui me fait continuer à rire après, parce que je sens le malaise. Et cela m'amuse en soi. Okay, d'accord. T'as le droit d'aller m'enlaiser par ça et je trouve ça amusant. Non, mais c'est parce que... Mais oui, je gardais le moral à l'époque aussi. Là. Par contre, j'étais quelque peu dévasté. Oui, j'avais beau garder le moral, j'étais aussi dévasté en même temps. Surtout, c'est un peu ridicule à dire, mais à la réalisation de certaines choses telles que... Raymond dit que dans 72 heures, donc 3 jours plus tard, je vais me faire opérer. J'avais packé, j'avais fait des valises, des petits trucs à apporter avec moi pendant cette période de temps que j'allais passer à l'hôpital, hospitalisé, cette période d'attente. Entre autres, un livre. Après l'opération, je trouvais ça très ridicule parce que j'arrivais à voir rien. Et c'est comme, mais pourquoi j'ai pris un livre? C'est normalement bête de ma part. C'est un livre que je viens d'acheter récemment à un Bernard Warbler. Tu savais pas. Ouais, non, mais il m'avait dit que j'allais avoir une paire de yeux. Ouais. J'ai pas allumé, par contre. Je me suis dit, malgré dans ces 72 heures, je me suis dit, je vais attendre avant de lire mon livre. Après l'opération, je vais le lire. Je vais pas le lire pendant que je suis là encore correct. Je vais le lire après l'opération, parce qu'ils m'ont dit clairement qu'il allait avoir une paire de vision. Ouais, mais ça fait quand même partie de l'optimisme que t'avais, puis de pas savoir non plus à quel point t'allais perdre la vision, puis... Ouais, mais il y a une part de ça, mais en même temps, c'est un peu de la bêtise, ou l'optimisme aveugle, rendu là. Ben là, je pense que ouais, c'est comme un petit peu le cas de le dire. N'est-ce pas? Mais reste que... Ouais. L'important, c'était que t'avais comme espoir, puis t'avais le moral, puis tout ça.
Mais encore une fois, j'étais encore plus, disons, déprimé par la réalisation que patiner ne serait plus une chose que je pourrais faire. Je déteste, je répète, je déteste marcher. Ok. Alors j'allais partout en patin en Wallonie. Si j'allais dans le bus, ça m'arrivait de prendre mes patins avec moi, d'enlever mes souliers pour rentrer, mes patins, dis-je, pour rentrer dans le bus. Et après ça, les remettre quand je sortais du bus. Mais c'était plus dans le métro que je faisais ça. Évidemment, j'avais aussi des souliers dans les mains. Genre, dans mes mains, j'avais mes souliers. Comme si j'avais mes mains dans les souliers. Et puis, je patinais comme ça. C'est ça, c'est que t'étais toujours en patin, les souliers pas loin. Mais ouais. Enlevais les patins, mettais les souliers. Même à mon secondaire, j'ai des gens qui après le secondaire, qui disaient « C'était pas toi qui étais toujours en patin à Roi-Aligné? » C'est comme moi, ça, c'était moi. C'était le truc pour me reconnaître. Mm. Des gens avec qui j'avais pas étudié nécessairement, c'était pas la même année, ils étaient comme « Toi, là, c'est-tu toi, ce gars-là? » Mais qui t'ont quand même remarqué. Ouais. C'est, mais c'était la façon de identifier. C'est une grande partie de mon identité à l'époque. Mais là, que s'est-il passé quand tu voyais plus assez pour lire? Mm. Mais en fait, ma vision après l'opération, c'était... il y avait beaucoup, comme si on voyait à travers un diamant, c'est la façon que j'aime dire. OK. Donc, il y avait plusieurs petites facettes, des petits octagones qui, eux-mêmes, contenaient des ronds qui tournaient. C'était très psychédélique, comme je disais. C'était très gris et métallique comme vision. Tout était déformé par ça. Et si j'ouvrais les yeux pour regarder, ça tournait, ça me donnait mal au cœur. Ah, c'était... très, très, très inconfortable. Et ça s'est résorbé? Oui. OK. Oui, c'était quand même pendant quelques temps, par contre. C'était quelque chose. Ça a pris beaucoup de temps, tu t'en Quelques jours pendant que j'étais hospitalisé. OK. Après, ça s'est résorbé. OK. Très bien. Et là, qu'est-ce que tu étais capable de voir une fois que ça s'est stabilisé? Plus qu'aujourd'hui, en tout cas, parce que 2 mois après qu'ils m'ont déchargé, j'ai eu une hémorragie interne au niveau du cerveau et... OK, il y a eu d'autres complications. Ouais. OK. Vraiment, j'en ai eu plusieurs, en fait, à l'époque, là, des collisions frontales du crâne. Même collisions du crâne. OK. Soit de côté ou en arrière, qu'importe. Et pendant que ça a causé une hémorragie, mais... Par la suite, j'ai commencé à voir rouge. Jusqu'à aujourd'hui, je vois rouge en partie. Là. OK. Ouais. Mais sinon, après l'opération et quand ma vie en diamant, pour ainsi dire, elle est partie, je voyais clair, mais flou à la fois. OK. Plus que 8% de vision telle qu'aujourd'hui, en tout cas, ça c'est clair. OK. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que tu avais des restrictions? Est-ce qu'il fallait que tu restes plus sage? Comment? Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as retourné à l'école? Initialement, non, pas l'école. Restrictions, oui. Pas de sport tout de suite. Je leur avais demandé parce qu'avec la médication, j'avais pris beaucoup de poids. Et c'était ridicule à quelle vitesse j'en avais pris. Ça m'avait fait paniquer. C'est comme, wow, ça fait même pas un mois que je suis là. Ben oui, je pense que ça faisait un mois, mais en tout cas. Ça fait un mois que je suis là et regardez, je viens de prendre genre 30 livres. Ok, 40. Très rapidement. Ouais, okay. Et l'atrophie musculaire aussi, fait que c'était quelque chose. Mais donc oui, ils m'ont dit pas de sport tout de suite pour pas justement causer de complications au niveau du cerveau. Ton crâne est encore en train de se refermer, puis on veut pas que t'aies d'autres problèmes. Ouais, pas faire d'accident. Ouais. Et j'avais aussi donc été diagnostiqué comme étant épileptique à ce moment-là après l'opération à cause de l'incision qu'ils m'ont dit. C'est déplorable, mais bon. Ça a été une chose de plus qui s'ajoutait. Ouais. Puis, donc, il fallait que je prenne des médicaments maintenant jusqu'à la fin des jours. Là, et il faut que je prenne des médicaments pour contrer l'épilepsie. OK, toujours. Ouais. OK. Ils m'ont dit, donc, les substances illicites, oublie ça, on va. Il y a bien des jeunes qui s'amusent à prendre des drogues quelconques, mais... Toi, tu peux pas te lancer là-dedans, là. Même si j'en avais l'envie, ça serait l'une des pires idées possibles. OK. À moins que j'ai envie de faire le poisson, comme j'aime dire.
me faire une petite crise d'épilepsie. Ouais, mais quand on peut éviter, oui, j'imagine que... Définitivement. J'imagine que oui, c'est ça. Hein? Ouais. Et là, qu'est-ce que par la suite, qu'est-ce que t'as fait pour... c'est quoi qui s'est passé pour toi? Donc, j'ai eu une période d'adaptation avec l'INLB. J'étais inscrit pendant que j'étais hospitalisé à l'INLB. Et ils ont envoyé des gens pour m'apprendre à utiliser la canne, me faire guider, comment marcher dans les rues, comment prendre le bus, comment prendre le métro. Et ça, est-ce que, excuse-moi, est-ce ouais. que ça te... Le moral restait, là, je veux dire, quand ils ont commencé à vouloir te montrer ça? Absolument, je vois pas pourquoi pas, au contraire, si quoi que ce soit, ça a peut-être augmenté. J'étais sinon coincé à la maison. C'est ça, t'avais hâte, j'imagine, de reprendre des activités. Je dis coincé, j'exagère, j'avais ma famille à travers tout ça, et ils étaient là pour m'assister. Oui, c'est sûr. Mais... C'était plus comme avant. Non, c'est ça, j'étais pas libre par moi-même, exactement. Il fallait toujours que je sois accompagné, ce qui était quelque peu embêtant. Ce qui était quand même, c'est ça, difficile à... C'était pas ce que t'avais vécu avant. Non, définitivement pas. Donc là, ils t'ont montré la canne, est-ce que t'as appris le braille, toi? J'avais commencé des démarches avec Alain Plourde, mais j'avais fait l'alphabet et quelques autres petites choses. Donc, j'ai jamais vu l'abrégé. OK. Donc, le braille de base, là, ouais. Pour lire le braille intégral. Et essentiellement, j'allais continuer à pratiquer jusqu'à ce que je sois bien à l'aise. Et essentiellement, j'allais recommuniquer avec Alain pour apprendre l'abrégé ou les autres choses à apprendre entre-temps. Mais ça n'a jamais donné. Je n'ai pas continué dans mes pratiques. Donc, j'ose croire que je l'ai oublié. OK. À ce point-là. OK. Peut-être que non, mais... C'est loin. Ouais, c'est très loin. OK. Et là, dans tes autres apprentissages, là, t'as-tu dit que t'avais appris à utiliser le métro? Est-ce que... Ouais. Ça, ouais. Ça te faisait pas peur? Est-ce que... Non, je veux dire, non, je pense que non, en tout cas. C'était tout en prévision de retourner au cégep. C'est quoi que ça, je pense qu'il y avait un niveau d'anticipation, d'excitation. C'était plus un niveau d'excitation qu'un niveau de peur. Oh, OK. C'est une aventure. Une aventure. OK. Puis un petit peu de peur, ça fait jamais trop de mal non plus. Non, parce que faut. Tu sais, ils disent que si t'as pas peur non plus, jamais, c'est là des fois que t'es. Mais si t'as pas peur, t'es un sociopathe. Déjà. Et être sociopathe, c'est pas nécessairement la meilleure des choses. Mais bon. Quoi, je viens de confondre avec l'empathie, pardon. Pas la même chose. Et tes parents, eux, comment est-ce qu'ils te laissaient aller là-dedans? Est-ce qu'ils avaient peur pour toi? Mes parents étaient mortifiés, je crois. Mais bon. Ouais, je crois qu'ils étaient mortifiés. Mais bon. C'est loin. Mais toi, t'as foncé. Toi, t'avais le goût. Mm-hmm. OK. Et là, bon. On va revenir très, très brièvement avant. Quand tu étais au secondaire, puis tout ça, c'est quoi que tu voulais faire dans la vie? Ouf. Est-ce que tu avais eu le temps d'y passer? Plus ou moins, mais jamais très concrètement. Je voulais... J'avais plusieurs petites idées, mais en bout de ligne, tant que ça faisait de l'argent, c'est pour pouvoir, après, faire le... Comment dire? Au bout de ligne, je voulais toujours faire redonner à la communauté, redonner aux gens, faire du bien à travers des investissements, à travers des compagnies, faire de l'argent justement, que ça soit quand même à profit, mais que ça revienne, que ça fasse du bien à tout le monde. OK. Ben à profit, pas nécessairement à profit de toute chose, mais disons un mélange. En tout cas, on va pas rentrer dans les... Non, mais faire un petit peu de sous, puis redonner... Ouais, mais un peu style Costco, comme ils font de l'argent, oui. Mais juste pour continuer à augmenter leur catalogue, ou pour redonner aux membres, des trucs de... Ça, c'est une structure que j'apprécie énormément, mais... le non-profit, par contre, ça, c'est pas très soutenable, je trouve. Mais bon. Donc oui, je voulais... À l'époque du secondaire, l'idée, ça s'arrêtait d'aller en programmation de jeux vidéo ou plutôt ceux qui font les histoires des jeux vidéo,
J'ai envie de dire les designers, mais bon, je suis plus certain c'est quoi le terme. Ou le concept, là, tout concept. Oui, le concept. OK. Voilà. Tu jouais beaucoup aux jeux vidéo quand? Je joue toujours. Tu joues toujours? Oui. OK. OK, c'est que tu le vois encore assez pour... Je ne suis pas aussi bon qu'auparavant. Non, c'est sûr. Mais... Certainement pas. Waouh, j'étais pas mal avant. Bon, c'est que ça a resté. Ça, c'est quelque chose qui est resté. Ouais, ça a resté. Je veux dire, tant que les gens disent de mauvaises choses sur les jeux vidéo, c'est violent, oh, ça fait rien de bon pour les jeunes, ça fait rien de bon dans la vie. C'est très faux, ouais. Je veux dire, c'est une bonne façon de se détendre, ça garde le cerveau actif. Des personnes âgées qui jouent aux jeux vidéo, justement, ça repousse la démence et d'autres problèmes psychologiques, mentaux chez ces gens-là. Et en plus, chez les jeunes, ça augmente les réactions, temps de réaction, la coordination visuelle et avec le physique, la finesse, la motricité fine, autrement dit. Ça a tellement de bénéfices. C'est ça, il y a plein d'avantages. Ben oui, je veux dire, j'ai appris l'anglais à travers ça et les bandes dessinées et la télévision. L'école, ça m'a appris pratiquement rien. Déjà, j'étais aucunement motivé à l'école par l'anglais. Je trouvais ça... Ah! Exécrable, c'était... Oh non, c'était... démoralisant, mais à travers ces médiums que j'ai dit, ça t'a, c'était ouais. plus motivant pour toi de l'apprendre à travers ça. Et que... dans un temps rapide, il y avait tellement de contenu et on se rend pas compte de combien de contenu on voit, mais on en voit beaucoup dans une petite période de temps et on continue à le faire davantage, on en cherche avidement à en avoir plus. Et je veux dire, il y a plein de gens qui ont appris sinon d'autres langues aussi à travers de telles choses et d'autres aptitudes. Il y a un petit jeune aux États-Unis que c'était avec sa grand-mère, ils étaient dans l'automobile et sa grand-mère s'est endormie au volant en pleine rue. Je pense qu'ils étaient même dans la route, mais ça a l'air un petit peu trop dangereux. Là, j'exagère, je m'en peux plus dans, ils étaient où dans la rue, mais bon. Elle s'est endormie au volant, la grand-mère, et le petit jeune, lui, il en jouait des jeux tels que, en tout cas, des jeux qui étaient considérés comme étant violents et non pas conseillés à des jeunes de son âge. Ce jeune-là, justement, a su comment conduire l'automobile, les mettre à un lieu sécur et réveiller grand-mère pour lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Réveille-toi! On a failli mourir! » Il a sauvé non pas lui-même, mais aussi sa grand-mère. C'est un héros, ce petit jeune. Peut-être la vie de d'autres aussi. En plus, oui, c'est vrai. Hein? Non, c'est pas. Vrai. C'était tout, mon Dieu. Non, mais c'est... Mais en tout cas, toi, t'es pas violent, certain. Moi, en tout cas, de ce que je sens chez toi, t'es pas violent. Ah, certains niveaux de violence, peut-être bien, mais non, pas violent. Okay. Genre, j'allais frapper un inconnu quelconque sans raison. Non. Toute chose est bonne à avoir en équilibre. Il faut un équilibre à toute chose. Tu sais. Quelqu'un qui est trop pacifique, qui est aucunement capable de faire usage de violence... C'est pas bon non plus comme une personne qui ne ferait usage que de violence, tu sais. Non. Un juste milieu est nécessaire. Parce que quelqu'un qui ressent jamais de violence, ça se peut pas, puis il faut que ça s'extériorise aussi. Faut juste savoir comment le faire de façon... C'est ça, saine, de façon... qui ne sont pas mauvaises pour qui que ce soit d'autre non plus. Là, toi, tu parlais de l'anglais. Est-ce que tu es bilingue ou si tu as un niveau d'anglais... Je suis trilingue, je suis fluent en anglais, en... français, je ne suis plus si certain, mais bon. En espagnol. Tu parles très bien français. Pas aussi bien qu'auparavant. Parce que, avec la perte de vision, ben moi, ma grande source de apprentissage au français et de comment je maintenais mon français, c'était à travers la littérature. Plus qu'autre chose, j'étais un avide lecteur, j'ai encore ma bibliothèque remplie de mes bouquins, mais bon. Surtout plutôt ma bibliothèque plus que ceux que j'achetais, c'était ceux que j'allais à la bibliothèque chercher même, là, à la bibliothèque municipale, mais bon. Mais maintenant, oui, ça, j'ai... Forcément, c'est plus un médium que j'utilise, mais... Les livres audio, j'essaie, mais... En français, c'est un peu plus difficile et... Je me suis frustré assez rapidement, j'ai lâché prise. OK. Mais moi, en tout cas, je trouve que tu parles très bien, puis t'as un accent tout à fait charmant, en plus, c'est... C'est gentil. C'est vraiment... ça, je l'avais remarqué. Venant d'un Québécois de souche, j'ose dire. Hein? Québécois de souche, j'ose croire. Oui. Ah, venant d'un Québécois de souche, c'est apprécié, merci. Ah oui, puis je m'en étais aperçu chez Mathieu.
Oui, t'es certain que tu t'étais pas plutôt rendu à compte de mon vocabulaire coloré? Ben, sûrement. Sûrement, l'ensemble de la du peu de personnalité que j'ai perçu chez toi cette journée-là. Donc là, tu parles français, anglais, puis c'est quoi, espagnol, j'imagine? Ouais. Oui. J'avais commencé à apprendre l'allemand au cégep. Pas évident, ça, non plus, l'allemand. Là. Non, pas évident, mais c'est pas si compliqué quand on connaît le français et l'anglais. Ah c'est, oui, c'est... ça aide oui, de... Oui, il y a beaucoup de racines communes. OK. Beaucoup de mots communs, même. Quelque peu modifiés, peut-être, mais néanmoins, ça part. Une base, là, des racines. C'est des langues là, anglo-saxonnes et latines, les deux. Alors, du coup, ça aide énormément. Et là, bon, en jasant, ça a répondu un peu à mes questions, mais là, on parlait de jeux vidéo, on parlait de livres, que tu aimais ça lire à la bibliothèque. Mm. Ça, c'était, bon, les jeux vidéo, tu me dis, tu réussis encore à jouer, bon. Maintenant, tes passe-temps, c'est quoi? Parce que tu me sembles très occupé, parce que, parce que là, je vais dire... Un secret. Et là, pas nécessairement très flatteur non plus. Mais non. Mais écoute, moi, je te l'ai expliqué un peu le projet que je fais. C'est pourquoi? C'est pour essayer d'aller chercher des gens qui ont peut-être un petit peu de difficulté, qui ont besoin peut-être d'un coup de pouce. Toi, c'est le contraire, là. Ça a été difficile de trouver un moment pour se voir, puis s'asseoir ensemble, puis dire on fait l'entrevue, là. Ça fait que... Après, c'est aussi des questions de logistique autres que le temps ou pas le temps. C'est aussi... Oh, il n'y a pas assez de préavis pour le faire, mais bon. Oui, mais ça demeure quand même que c'est parce que tu es occupé. Mais il y a ça, mais mon travail aussi, c'est très flexible. Je veux dire, il y a juste une journée... tel qu'aujourd'hui le mardi, où ce que je sais que je ne fais rien niveau travail. Alors, je peux faire plein d'autres choses, mais je me retrouve que tous mes plans se retrouvent le mardi. Sinon, je peux me retrouver à travailler 3 jours, 4 jours par semaine, comme je peux faire 6 jours par semaine. Honnêtement, c'est très flexible, mais encore une fois, je ne sais que la journée même, des fois, si je travaille ou pas, et forcément, ben, ça laisse pas le temps de faire d'autres plans, des fois. Mm-hmm. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a réussi, puis comme tu dis, assez à la dernière minute aussi, hein. Tu sais, je pense qu'on a décidé ça. Tu peux dire à quel point c'est pas à la dernière minute pour moi. Ça. Non, c'est ça. Toi, c'est comme ta routine. Oui. Pour moi, c'est un peu à la dernière minute dans le sens que. Absolument. Je me disais non, moi, j'enregistre pas d'entrevue cette semaine. Et voilà que Rodrigo est arrivé. Puis, bon, tu disais, on est mardi, puis on est tard le soir aussi. Oui, ben, c'est ça, généralement, les mardis, je t'avoue, j'aime bien aller au cinéma. OK. Les mardis du cinéma, c'est pas trop cher. Moi, tu vois, c'est ce type de média, ça, c'est encore quelque chose. Donc, ça en est un passe-temps, une passion, ça, le cinéma? Je ne sais pas si j'irais au point tel, j'irais jusqu'au point tel de dire que c'est une passion, mais oui, c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que t'aimes, puis bon, forcément, quand on va au cinéma, ça occupe... la soirée. Une partie du moins de la soirée. Une partie. Ouais. Mais j'aime y aller de façon sociale, avec des gens accompagnés, gens qui partagent le même intérêt pour le film en question, ou d'autres choses dans le film, mais bon. Mais sinon, auparavant, je faisais des mardis des échecs à Longueuil. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de reprendre ça, et forcément, j'ai appris que il y avait plus assez de gens qui venaient pour maintenir ça de façon régulière, ouais. Ce qui est un peu déplorable, mais compréhensible, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent de la région de Montréal, ben, de la ville de Montréal même, pas juste de la région. Parce... Ouais, Montréal et les environs, puis... Ouais, non, mm-hmm. C'est ça, vraiment de la ville de Montréal, il y en a beaucoup qui jouent, mais en même temps, ces gens-là vont pas nécessairement se déplacer à Longueuil sans avoir une passe, parce qu'après ça, à Longueuil, pour revenir à Montréal, faut que tu payes, et... il y a le temps que ça prend, puis c'est pas nécessairement très facile d'accès. Si t'as le transport adapté, magnifique, tant mieux, cool. Mais ça a ses inconvénients aussi. Absolument, et du coup, donc, il y avait des gens qui y allaient pas, et bon, ils ont fini par l'annuler, malheureusement. Ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a des gens qui jouent en ligne aussi. Oui, c'est ça, il y a des tournois constamment, des tournois Skype. Et ils sont cotés en plus, ces tournois en question. Parce qu'il y a deux tournois annuels de l'association des joueurs auxquels je fais partie, une association pour les aveugles, le CQPA.
C'est quoi? Coalition québécoise des personnes aveugles. Mais bon. Ou conseil, je m'en rappelle plus aussi c'est quoi exactement, mais essentiellement c'est un groupe pour les échecs. Non, ça c'est QPA, pardon. Je me confonds. Ça c'est avec Québec, c'est à Québec même, à la ville de Québec. Ils s'appellent aussi QPA. Ils ont un tournoi qui s'en vient justement au mois d'avril. Les membres de l'ACGEV, qui est l'association justement à laquelle je fais partie, Association québécoise des joueurs d'échecs avec handicap visuel. Et ça, les échecs, c'est arrivé quand dans ta vie? Ça fait longtemps que... Ouais, ben après ma perte de vision avec l'INLB, quand j'allais à l'institut pour voir mon pivot ou d'autres choses, éventuellement quelqu'un m'a parlé de... je pense que c'est quelqu'un... Je m'en fous c'est qui, mais en tout cas, ils m'ont parlé de cette activité-là qui était offerte par Émile Ouellet. Oui. Qui est quelqu'un qui travaille à l'institut et après les heures de travail, ben... À partir de 5h, donc, il prenait l'une des salles là-bas et il attendait que les gens arrivent pour jouer. Et quand ils m'ont dit que ça existait, je me suis dit, ah, pourquoi pas, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont un handicap de vision, qui partagent un intérêt commun. Ça me permet de passer du temps. 3h, pas plus précis, c'était de 5 à 8. Bah, mais, oui, ça c'est bien agréable. Je faisais ça et ils m'ont dit, bon, il y a des tournois, il y a le tournoi d'automne. Qui se passe à Longueuil auparavant, maintenant il se passe à Montréal, ils l'ont déplacé. Ça me rend bien content, ça. J'aimerais ça justement que l'activité des mardis se déplace à Montréal, qu'elle reprenne vie et à Montréal même. C'était quelque chose qui a été discuté, mais bon, je pense qu'il n'y avait pas assez de gens justement qui participaient pour que ça serve. C'est dur de trouver un endroit qui va comme convenir à tout le monde. Mais c'est ça, mais rendu là, l'idéal ça serait d'avoir deux endroits justement pour ceux qui sont plus à l'aise à Longueuil, ben, il y aurait celui-là, mais ben, ça serait aussi trouver les gens qui le feraient. Parce qu'il y a aussi des gens, comme tu le disais, il y a les tournois en ligne, il y a des parties qui se jouent en ligne, et donc il y a beaucoup de gens qui font... Ils utilisent ça et en conséquence, je présume, ils se disent, je vais pas me déplacer, je suis satisfait avec ça. Mais bon, c'est social, mais pas au même niveau que d'être sur place. Parce qu'après ça, des fois... Ouais, t'as pas le contact physique. Non, là. C'est ça. Ouais. T'as pas l'interaction. C'est ça, mais après la partie, en plus, tu peux jaser, continuer à jaser, sortir, tu sais. Mais bon, sur Skype, c'est pas vraiment... C'est pas pareil, tu sais, les gens finissent la partie, puis bon... Bonne partie, bonne soirée, au revoir. Ouais, c'est ça. J'exagère un peu, je veux dire, j'ai participé à comme une fois ou deux fois à ces tournois-là moi-même. Alors j'exagère, c'est pas nécessairement comme ça que ça se déroule, mais... C'est plus propice à se passer comme ça. C'est ça, je... OK. Hey, Rodrigo, je t'ai posé une question avant l'entrevue, je t'ai demandé si tu jasais beaucoup, puis tu savais pas trop qu'est-ce que tu pouvais répondre. J'avais une idée, c'est pour ça que j'étais plus ou moins. Ok, bon. Moi ça me fait peur. Oh mon dieu, je viens de me déplacer pour 5 minutes de mon temps d'entrevue. Oh non! Ouais, non, j'imaginais. Mais en tout cas, on a déjà une bonne partie de fête. Ce que j'aurais le goût qu'on fasse, c'est que... On va faire la pause, puis après la pause, on va parler... Tu as été au cégep, finalement? Oui, j'ai fait le cégep de Rosemont. Quoique j'ai arrêté avant la fin de mon diplôme, parce que je voulais faire dans l'optique de faire psychologie à l'université, mais c'était rendu une maîtrise, doctorat. C'était donc 10 ans de ma vie à consacrer... aux études, là. Ouais, sans compter, je pense, l'estimé de 50% qu'ils donnent de plus. Oui, quand on voit pas, évidemment. Ouais, je dis ça, mais j'en connais des personnes qui, ils ont fait des études d'une longue durée aussi, et que non, ils n'ont pas pris de temps supplémentaire, ils l'ont fait en temps normal, tel que n'importe qui d'autre. Des personnes très studieuses, très dédiées. Oui, qui devaient quand même mettre beaucoup de temps à l'extérieur. Ouais, c'est justement, ils étudiaient dans autre chose qui m'intéresserait. En droit, c'était Juba Saran et Catherine Hood. Oui, Catherine Hood, on l'a reçue d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Deux personnes que j'ai beaucoup d'admiration pour leur force et leur. À quel point ils sont studieux et tout. Là. Ouais, structurés et. Ouais. Ouais.
J'ai des envies. Ah, oui. Mais regarde, on va faire la pause. Bien sûr. Puis après la pause, on parle de cégep, on parle de travail, parce que tu as glissé le mot travail tantôt. Mm. Puis c'est bien, j'ai aimé ça de la façon que tu l'as amené. Tu nous as parlé que c'était quand même assez... ça pouvait se décider de façon à la dernière minute, puis tout ça, puis c'était flexible. Mm-hmm. Mais t'as pas dit c'est quoi ça, dis-le pas, puis on va le dire après la pause. Puis, je pense qu'on a encore pour un petit bout à discuter. Donc, on fait la pause, on vous revient avec le très sympathique et très... moi, en tout cas, j'adore ton accent, c'est incroyable. Rodrigo Ramirez. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la pause de l'entrevue. Souvent, on entend parler du hockey sonore, du goalball. Aujourd'hui, je vous parle du sissifoot. C'est un nouveau sport que je crois qu'il n'est pas encore rendu au Canada, mais sait-on jamais, peut-être que ça s'en vient. Sissifoot, nous réinventons le football. Discipline officielle, le sissifoot s'impose peu à peu en France. Ses pratiquants, aveugles ou malvoyants, sont avant tout des footballeurs. Par Florise Vaubien. Ça a été publié le 30 avril 2018 sur lepoint.fr. On peut être aveugle ou malvoyant et marquer des buts à des gardiens voyants. Le football n'a qu'à bien se tenir. Le sissifoot, sa variante pour les déficients visuels, s'est imposée dans le handisport. Les joueurs guidés par Louis et les multiples techniques d'adaptation ont démontré à plusieurs reprises ce qui semblait impossible, jouer au football dans le noir. Quelques règles ont été aménagées, un ballon rempli de grelots et de billes, un terrain plus petit, 40 par 20 mètres, délimité par des barrières gonflables, des cages elles aussi plus petites, 3 par 2 mètres, 5 joueurs dont un gardien voyant ou malvoyant et un guide valide qui oriente ses joueurs jusqu'au but. Le club de Saint-Mandé, Val-de-Marne, parmi les meilleurs clubs français de sissifoot, est arrivé troisième de la Coupe de France qui s'est déroulée le week-end dernier. À l'occasion de la Journée mondiale de la mobilité et de l'accessibilité, Julien Zellela, président de l'AS Sissifoot Saint-Mandé, rappelle que ce sport est un vecteur d'émancipation pour ses joueurs. Le sissifoot, c'est un moyen de se sentir libre, débarrassé de la canne, en parfaite autonomie sur le terrain, explique celui qui a introduit ce sport, apparu au Brésil en France. Il poursuit, on est footballeur aveugle et pas l'inverse. On développe de grandes capacités mémorielles et auditives. Le sissifoot reste technique, tactique et performant. Double champion d'Europe. Un handicap qui se transforme en force, dirait Ivan Ouandji, attaquant de l'équipe de France et de l'équipe de Saint-Mandé et ambassadeur des Jeux paralympiques 2024. Un joueur de sissifoot dissocie les bons bruits et prend vite les bonnes informations. Il développe une faculté d'analyse et d'écoute plus importante que les sportifs valides. Situer les partenaires, écouter le ballon, les consignes des guides, visualiser la cage. Il y a beaucoup de paramètres à intégrer, précise la mascotte des Bleus. D'ailleurs, tout un champ lexical rythme les matchs.
attaquants, défenseurs, gardiens et guides se hurlent des axes pour signaler la cage aux joueurs ou vol pour prévenir d'une éventuelle bousculade. Car aucun joueur ne peut discerner la moindre lumière, tous, malvoyants ou non-voyants, ont un bandeau sur les yeux. Une mixité, unique entre les valides et les non-valides, estime Julien Zellela. Discipline officielle depuis 1998, le sissifoot est aujourd'hui reconnu par la FIFA et le CIO. Une reconnaissance qui a galvanisé les sissifootballeurs. L'équipe nationale détient un palmarès à faire rougir. Composée majoritairement de joueurs du club de Saint-Mandé, 94, elle a remporté le championnat d'Europe en 2009 et en 2011 avant d'être médaillée d'argent aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Au-delà des victoires, c'est avant tout un moyen pour les déficients visuels de se retrouver, d'être adversaires sur le terrain et de créer des moments de partage, selon Julien Zellela. Ivan Ouandji en tire surtout un message d'espoir. Certains jouent au foot et nous le réinventons. On peut avoir un handicap, mais on peut avancer avec, faire du sport et briller comme tout athlète. À notre prochaine émission. Blaise Saint-Hilaire. Dans une vie remplie de hauts et de bas, comme celle de notre invité, une chose très importante, en parler autour de soi quand on s'aperçoit que ça ne va pas. C'était un truc, là. Tu sais, il y a bien des gens qui font un peu l'erreur de pas en parler. Moi, ça, je l'ai jamais fait. J'ai toujours été quelqu'un qui exprimait comment il se sentait, là. Ben, justement, tu sais, de là que part, des fois, les problèmes que j'avais à l'école, là. J'hésitais pas à dire ce que je pensais et comment je me sentais. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, oui. Mais plus tard, ça t'a servi quand même plus. Parce que c'est ça. Au moins, les gens avec qui tu pouvais parler, ben, tu leur as fait part de. Ouais, de tout ce qui se passait. De tes états d'âme. Fait que les gens savaient que j'étais pas bien, mais. Personne ne savait quoi faire à part vraiment changer les idées. Tu sais, c'est pas. M'aider comme ils pouvaient, mais. C'était pas évident. Personne ne savait trop quoi en faire. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Rodrigo Ramirez. Et avant la pause, on s'était dit qu'on parlerait cégep, puis on va parler d'emploi, puis on va parler encore de plein de choses, j'ai l'impression. Donc, tu disais, tu avais commencé à dire, je crois, que tu voulais t'en aller en psychologie. Ouais, ben, quand j'avais été au cégep, c'était ça l'idée. Mais bon, ils ont changé les prérequis pour devenir psychologue, psychologue. Et c'était devenu un doctorat maîtrise, donc une douzaine d'années donc d'études prévues. Je m'en rappelle plus si ça incluait donc le temps supplémentaire à prendre en considération pour les personnes handicapées visuelles. Mais ça restait déjà que c'était trop long à mon goût, surtout que aider une personne à la fois, ça me portait. Tout ce temps-là, ça m'intéressait pas tant que ça. Ça m'intéressait d'aider les gens, mais pas de même exactement. Puis, c'est très contingenté en plus comme domaine. Alors, non, je me suis désisté de cela. Ça t'a comme un peu fait changer d'avis. Ouais, ça m'a donné un petit froid. J'apprécie énormément la matière et je retournerai quand même en faire des cours, mais simplement pour mon propre bénéfice. OK. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand t'as mis fin à... À ce but? Ben, j'ai pas instantanément mis fin, j'ai quand même continué à étudier pour une certaine période de temps. En sachant que ça. C'était plus ça l'objectif. Okay. C'était juste de continuer à étudier et transitionner à l'université par la suite. Quoique, j'avais déjà atteint l'âge de 21 ans, fait, je me suis dit, c'est pas vraiment nécessaire, je pourrais juste directement faire la passerelle à l'université. Vu que j'ai déjà 21 ans, ils m'acceptent, mais pas dans un programme spécifique, mais néanmoins. Là. Mm-hmm. Et tu y es allé à l'université?
Non, j'ai pas encore. J'aimerais y aller, mais là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait des études d'un tel calibre. J'ai fait des études en massothérapie. Mais tu sais, c'est forcément pas la même charge de travail. Ah ouais, en effet. Alors ça me... C'est venu comment l'idée de la massothérapie? Ben parce que déjà les massages c'est agréable, c'est bien, c'est sympathique et ben aussi parce qu'avec la perte de vision je cherchais des travaux qui soient accessibles, qui soient faisables et donc on m'a parlé de massage comme étant une possibilité et moi j'étais comme peut-être certain massage et ils m'ont dit ben oui moi je connais quelqu'un qui en a fait, qui était aveugle complet et qui en a fait, c'est très faisable. Et dans mes tournées d'échecs, justement, il y a une personne en particulier qui, je pense, qui était massothérapeute pendant des années de temps. Et m'ont dit, ouais, ça se fait. C'est très bien. Cette personne, en conséquence, m'a quelque peu motivé à le faire. Hein, et j'ai essayé. Me voici donc aujourd'hui massothérapeute. Quoique je ne suis pas en train de professer, je me suis blessé. Parce que, mine de rien, ça prend quand même une certaine force physique. Et ben oui. J'avais arrêté de m'entraîner. Ah, puis là, ça a été une blessure musculaire? Ouais, au bas du dos. J'avais aussi commencé à arrêter d'utiliser les bonnes techniques de posture. Alors... Oh, c'est que ça t'a... Ça ouais. T'a joué, là. Ça ouais, t'a... ouais. Mais là, c'est correct. Et de toute façon, à l'époque, j'avais pas encore terminé mon étude. Fait que je travaillais, mais je ne pouvais pas émettre de reçu d'assurance, qui est la majorité des clients. Alors, ouais. C'était pas si conséquent de ne pas travailler à ce moment-là. Mais là, maintenant, tes études là-dedans sont terminées. Les études de base, oui. Alors, je suis massothérapeute, que je fais du massage suédois avec avant-bras aussi. Quelques introductions à la réflexologie. Ah oui, pour vrai? Oui. Mais en soi, j'ai plusieurs autres choses que je pourrais apprendre en tant que pour... augmenter mon répertoire de massothérapeute. J'ai même des introductions un peu chiatues, mais bon, c'est rien de trop majeur. Des introductions, comme je dis. Mais c'est des trucs, là, c'est des choses que tu voudrais faire pour justement. Éventuellement approfondir mes connaissances là-dedans, oui, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse. Puis l'éventail de services là, que tu pourrais offrir. Oui, oui, oui. Comme présentement, c'est pas quelque chose que je puisse faire. Dans mon espace, parce qu'une mine de rien, table de massage, ça prend de la place. Oui, puis il faut que tu sois capable de te déplacer, de te déplacer autour et tout, mais oui. Absolument, absolument. Ben oui, je me suis fait masser souvent, wow. Je sais un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, voilà, fait que tu sais à quel point c'est agréable. Oui, puis je pense que tu peux peut-être aller te chercher quelques clients parmi mon auditoire, sait-on jamais. Ah, ben voilà, salut tout le monde. Mon sous-thérapeute ici présent, faites-moi signe, c'est quoi que ce soit. Et moi sur Facebook, Rodrigo Ramirez. Je suis là. Sinon, là, demandez à Martin et vous mettre en communication avec moi. Je vais vous mettre en contact. Voilà, voilà. Moyennant une cote. Non, non, c'est pas bon. J'ose dire que je fais des bons massages. Des excellents massages, dirais-je même, mais bon. Moi, je suis prêt à faire un deal. Là, je vais être le cobaye, puis je vais vous dire ce que j'en pense dans une chronique, là, dans une pause d'entrevue à un moment donné. Ah, fait que l'autre jour, j'étais faire mon massage avec Rodrigo et je vous confirme, très bon, très bon. Voilà. Alors, ça, c'est une partie du professionnel. Oui, mais en fait, oui. Je te coupe, oui. Mais t'as raison, une partie, puisqu'il y a aussi présentement mon vrai travail. Plus que tout, c'est serveur, guide serveur au restaurant au noir, sur oui. Prince Arthur, au coin de Colonial, et, non, pas Colonial, mais plutôt, j'ai oublié l'autre rue, mais, oui, une autre rue nord-sud, dans tous les cas, par contre, c'est là-bas que je travaille plus que tout. Et ça aussi, c'est très intéressant, oui. Parce que c'est une belle façon de faire de la sensibilisation auprès des non-voyants. Et de manger de la bonne bouffe. Et manger de la bonne bouffe parce que c'est de la bouffe gastronomique. Quand même, bouffe française présentement, chef français en plus. OK. Un vrai de vrai. Alors, il y a plein de gens qui s'attendent
que ce soit de la bouffe quelconque, là, calibre McDonald's, pour ainsi dire. Oh, j'y vais parce que c'est obscur, j'y vais pour l'expérience de « oh non ». Mais non, c'est quelque chose qui a été travaillé depuis quelques temps, j'ose croire qu'on a bien arrivé à atteindre un bon niveau, justement, culinaire. Une belle qualité de... Ouais, c'est ça. Je veux dire, il y a eu beaucoup de prix qui ont été accordés au restaurant pour, justement, la qualité. Et aussi pour le décor, on va pas le cacher, c'est aussi une belle place. Avant, on était sur Sainte-Catherine, il y aura des gens qui reconnaîtront peut-être, Métro McGill. Oui, c'est vrai, vous êtes déménagé. C'est ça, il y a environ 3 ans de ça, qu'on est maintenant sur Prince Arthur. Mais c'est parce que le bar était pas super agréable, maintenant il y a de la place pour les gens. Et tout, c'est très convivial. Les gens peuvent manger à l'obscurité comme ils peuvent manger à la lumière si jamais il y a des gens qui ont peur. Fait, faut jamais avoir peur d'y aller et perdre son temps parce que la bouffe est quand même, elle est passée. C'est pas, tu peux pas rentrer dans la salle, ben dommage. Non, tu peux pas rentrer dans la salle, c'est correct, on comprend que vous sentez mal. Puis vous pouvez manger quand même. À la lumière, aussi. Et il y a même, bon, évidemment, s'il y a 20 personnes qui le demandent, il y a peut-être pas assez de matériel pour le permettre, mais il y a des bandeaux, disons, pour couvrir les yeux et permettre de simuler de manger dans la salle, mais à la lumière. Avec le bandeau, ouais, c'est ça, au lieu de d'être dans l'obscurité, là, puis... C'est ça. OK, ça, je savais pas. Non, mais voilà, maintenant, tu sais. Et là, toi, ça fait combien de temps que tu travailles là? J'ai envie de dire 2012. OK, ça fait déjà quand même un certain temps. Au moins 5 à 6 ans, là. Ça t'a connu l'autre endroit aussi, là. Oui, t'as travaillé dans l'autre endroit. Il venait d'avoir un changement de cuisinier, j'ose croire, à cette époque-là. C'était l'ancien cuisinier, c'était un homme qui cuisinait pas de la bonne bouffe. Il s'est fait sacrer dehors parce que juste avant, il faisait pas de la bonne bouffe. Ça qu'ils ont remédié. Ouais, ils ont dit, regarde, on veut atteindre un nouveau sommet. On veut justement que les gens viennent pas juste pour une expérience. Je veux qu'ils viennent pour manger aussi. Et l'une des premières escales dans ce trajet, ben, c'était se débarrasser du cuistot. Le remplacer par quelqu'un de compétent. Le dit cuistot a justement décidé de s'ouvrir un restaurant par la suite pour se venger, pour ainsi dire, mais waouh. Oh, en tout cas. Ouais. Voilà. Ouais. Qui est dit. Vous arrivez, si les gens savent de quoi je parle, ils auront voir les critiques du resto. C'est ça, oui. Ou ici, ils connaissent des employés ou des anciens employés. Ils ont des histoires à vous raconter. Moi, je vais m'abstenir parce que c'est pas mon histoire, mais. Ouf, en tout cas, ouais. Alors, tout ça mis ensemble, ça occupe une grande partie de ton temps. Si j'en comprends bien, si je fais. Si je mets tous les puzzles, tous les morceaux du puzzle ensemble? Ben, il y a une bonne partie quand même, oui. Je dois admettre qu'avec l'épilepsie, j'ai un médicament que je prends, le Keppra, en tout cas une forme de Keppra. Et un des effets de ça, c'est que justement, je suis constamment fatigué. Une grande fatigue. Et ça, en conséquent... Comme là, en ce moment, tu es fatigué. Ouais. On le sent un petit peu dans ta voix. Du début, dès le réveil, je suis fatigué. OK, c'est comme un peu une constance. Ouais. OK. Mais c'est correct, parce que tu dis ça occupe beaucoup de mon temps, là, ce travail, mais en soi, c'est pas tant d'heures de travail. C'est... Non, ben, je voulais dire travail, les échecs, les jeux vidéo. Ben, les amis aussi, il faut pas les oublier. Sans les amis, que serait la vie? Est-ce que t'as beaucoup d'amis non-voyants? Moi, c'est ça ma question. Beaucoup, qu'est-ce qu'on dirait comme étant? Beaucoup, j'en connais plusieurs. Et encore une fois, par contre, est-ce qu'il y a des gens, aussi bien que je voudrais dire que c'est mes amis, c'est pas nécessairement juste à moi de dire ça. C'est aussi à eux de dire qu'ils confirment que ce sont mes amis. Que c'est réciproque. Ouais. OK. Parce que pour moi, sinon, je dirais n'importe qui est mon ami. Ben, je vais me permettre, dans ce cas-là, de reformuler ma question. Mm-hmm. Est-ce que tu fais beaucoup d'activités avec d'autres personnes non-voyantes? Pas tant que ça, je te dirais. OK. Pas autant que auparavant, autant que je voudrais. C'est plusieurs de ces personnes que je connais, ils sont de Longueuil. Ils étaient auparavant pour une période de temps à Montréal, mais ça a changé, la vie change, tu sais.
Alors, ouais. Mais donc, la majorité de tes amis, connaissances, baroblique, copains de sortie, c'est des voyants? Ouais, maintenant, oui. Là. Sinon, j'ai mes collègues, certains de mes collègues, parmi ceux non-voyants et malvoyants, mais qui, justement, avec qui je maintiens certains d'entre eux. Là. Mais c'est plus des collègues. Ben, non, pas vrai. Il y en a que c'est vraiment des amis, mais... En tout cas, c'est un mélange. Et là, bon, on va finir bientôt, puis quand je suis arrivé chez toi tantôt, tu cuisinais. Donc, tu fais de la cuisine? Ouais. Ouais? C'est quoi que t'aimes cuisiner? Avec quoi t'es à l'aise de cuisiner? Ben, c'est aussi avec ce que j'ai, là, mais... Oui, mais... Je voudrais avoir plus de matériel pour créer plus de choses, mais... j'aime cuisiner sur les ronds, faire des burgers, du poulet mariné, des marinades, des trucs au four, des pâtes. Et là, je voulais faire cette semaine une sauce tomate avec des vraies tomates fraîches, en utilisant mon... j'ai oublié comment ça s'appelle, la machine qui broyait, mettons, je m'en fous plus. Ouais, mais je... j'ai oublié le mot, mais... Ouais, fait que faire une sauce tomate, ça... T'sais. Moi, j'appellerais ça un robot, là, tu sais, un... Ouais, mais un robot, on va dire. Ou un blender, là, pas... Ben, c'est pas exactement un blender, c'est un robot cuisinier, mais... Ouais, c'est quoi. Ça, moi, c'est ce que j'utilise. C'est ça, parce qu'un blender, je l'utilise pour faire des jus. Ouais, non, c'est ça, c'est plus comme un... Un robot, là, que tu mets tes légumes, puis que ça coupe, là, puis... Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que c'est ça, faire une sauce tomate, ça, je vais faire... Mais, ouais. Mais, il y a des choses avec lesquelles je suis pas nécessairement très habile ou pas aussi habile que je voudrais. En conséquence, c'est pour ça que j'ai fait appel à l'Institut. Hein, ils vont m'aider. Ils m'enseignent des trucs que je connais pas. Alors, merci à l'Institut, comme toujours. Oui, mais, tu sais, on en parlait pendant la pause, puis tu le disais, faut pas non plus avoir peur ou avoir honte de demander de l'aide. Non, là, absolument pas. Mais non seulement ça, mais il y a des gens aussi... Ils gênent pas de donner honte aux autres, de mettre à la pression parce qu'ils ont demandé de l'aide par rapport à quoi que ce soit. T'sais. Je trouve ça déplorable. Comme, oh, tu devrais être capable de faire ça tout seul. Non, au pire, je ne sais pas le faire tout seul. Pourquoi je devrais pas demander de l'aide? Pourquoi devrais-je me sentir mal d'avoir demandé de l'aide quant à quoi que ce soit? Et bon, je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est malaisant et c'est correct, mais... Mais c'est malaisant ou c'est l'orgueil qui rentre un peu? Mais des fois, c'est les deux. Ouais. Mais ça aide pas non plus d'avoir des gens qui nous mettent la pression quand on demande de l'aide. Effectivement. Alors, c'est une façon tout ça de dire que à tous ceux qui mettent de la pression sur les gens qui demandent de l'aide ou qui ont besoin d'aide et qui sentent regardés, visés... Mais... Faut faire abstraction de ça. Faut passer par-dessus ça. Faut faire abstraction, mais honte aux personnes qui le font en premier lieu, qui font honte aux autres, qui mettent de la pression. Honte à eux. C'est pas à moi de me sentir mal parce que j'ai demandé de l'aide. Et ça, c'est une chose qui est, comme j'y pense maintenant, et qui est déplorable, mais il y a des voyants qui pensent que parce qu'une personne est malvoyante, aveugle également, mais qui a encore un peu de vision, qui devraient pas nécessairement demander de l'aide. Ces gens-là réalisent pas que ces personnes sont aveugles, peut-être pas complets, mais alors quand ils demandent de l'aide, ils trouvent que ces personnes n'ont pas de talent qui devraient pour faire ça. Et on sent qu'il y a des regards ou ben on sent qu'il y a des... ça fait drôle à dire quand on parle. Ouais, mais on sent qu'il y a un jugement. C'est ça, le jugement a pas sa place de même, honnêtement. T'as le droit de faire ton jugement si tu veux, mais au moins, faire un jugement raisonnable. Mais surtout, ne vous empêchez pas. Non, absolument pas. Faut pas s'empêcher. C'est pas parce qu'on est jugé dans la vie qu'il faut s'empêcher de faire quoi que ce soit. Non. À moins, évidemment, que ça soit quelque chose d'illicite. Ouais, mais là... Blesser les autres, là. C'est... Oh! Je vais pas me gêner d'aller dans une école avec un flingue, tirer des gens. C'est pas le jugement des autres qui va m'empêcher de... Quoi? C'est pas ça, là. Non, c'est ça. N'interprétez pas mal mon message, s'il vous plaît. Je suis pas en train de vous dire d'aller tuer votre voisin parce qu'il va vous juger ou parce qu'il vous a jugé, tu sais. Un peu de retenue.
Écoute, c'est super positif quand même comme message. C'est super positif la façon que tu nous as expliqué ta situation, ta perception de la vie. Je pense que il y a de quoi attirer de ton entrevue. Moi, en tout cas, je suis très, très content que tu aies accepté. Et je suis très content de la façon dont ça s'est passé. Puis je pense que cette entrevue va avoir des répercussions positives. Et je t'en remercie grandement. Ah ben non, c'est moi qui te remercie pour l'opportunité et pour tout ce que tu viens de dire là. Ça fait plaisir à entendre. J'espère que ça va être effectivement quelque chose de positif. Ça ferait vraiment plaisir à entendre. Je veux dire. Qui ne pourrait dire la même chose? À part peut-être effectivement, comme je disais tantôt, des sociopathes ou des psychopathes qui n'ont pas d'empathie. Mais bon! Une autre histoire. Pour une autre journée, pour une autre entrevue, pour autre chose. Écoute, on va te laisser aller te reposer. Parce que c'est là. Tantôt, on le dit, on est mardi. D'habitude, on ne dit pas ça. Puis là, c'est sûr que c'est l'entrevue de Connaissez-vous qu'on a enregistrée le plus tard dans la journée aussi. Ça explique un petit peu la fatigue de toi puis de moi aussi. Et il faut que je retourne à Longueuil. Et voilà! La joie de devoir prendre un transport super tard. Oui. Mais en attendant, ce que je vous invite à faire à la maison, et c'était pas des blagues, si vous voulez entrer en contact avec Rodrigo, que vous le trouvez pas sur Facebook, écrivez-moi. On va y monter une clientèle en massothérapie. Merci, ça serait apprécié. Je pense que ça serait le fun. Ouais. Il est gentil, il est sympathique, il a un accent tonnerre. Merci. Et je suis sûr qu'il a des bonnes mains pour vous détendre. J'ose espérer. Alors, hey, avant que ça devienne quand même trop flagrant que que j'ai comme un parti pris, on va finir là-dessus. Bien sûr. Ah, et en fait, si les gens veulent me trouver, évidemment, au resto, ils peuvent me trouver, hein, au nord. Aussi, ben demandez-moi oui. Comme serveur, évidemment, je vais pas vous faire un massage. Quoique, on tente, peut-être pas un massage genre, comme soi, mais c'est si vous avez mal aux épaules. Non, je n'aise, mais bon. Ça serait un peu déplacé. Le stress, hein, de manger dans le noir. Puis le stress, la joie, l'aventure. Le bon goût de la nourriture. Voilà, ça vous donne plein d'opportunités. Là-dessus, on se laisse parce que sinon je vais coucher à Montréal. Pourquoi pas, c'est le fun, Montréal. Ben oui, je sais, j'ai déjà même resté 2 ans à Montréal. Ben, on va conclure l'émission, je te raconterai bien ça. Bien sûr. Allez, bonne soirée. Alors, les gens à la maison, je vous invite à continuer à nous écrire, à communiquer avec nous. Vous nous faire part de vos questions, vos commentaires, vos suggestions. Et je vous retrouve, on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous.